بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur le canal HGI, d'être fidèles à votre émission Avis religieux. Sahaïtkom, Rabbi Tqabbal minna minkom, Inch'Allah Salih Al-Amal, bon fait. Et Dr. Djouhri, Sahaïtkom, Rabbi. Allah yisalmek, Sahaïtkom, Matar Migari. Ainsi qu'à nos frères et sœurs, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla accepte toutes nos œuvres que nous avons fournies pendant le mois de Ramadan. Et qu'il nous préserve, Inch'Allah, pour les jours qui vont venir, et qu'il nous fasse vivre d'autres Ramadan, Inch'Allah, en pleine santé. Très bien. Et je rappelle le numéro de téléphone pour vos appels, c'est le 00-213-21-23-98-91. 00-213-21-23-98-91. L'email, c'est avireligieuxattaché@gmail.com. Et nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email en attendant les appels, nos chers téléspectateurs. D'abord, Dr Djouhri, nous sommes à Chouel, le mois de Chouel, le mois lunaire Chouel. Oui. Et on parle souvent d'un jeûne recommandé qui n'est pas obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire. C'est les 6 jours. De Chouel, d'abord, oui. Si vous pouvez mettre de la lumière sur, pour expliquer les 6 jours, et vous avez quelques réserves par rapport à 6 jours, Dr Djouhri. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, il y a des textes rapportés par des sahaba que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a indique qu'il y a 6 jours à jeûner à partir de la fin du mois de Ramadan. 6 jours à jeûner, non pas, c'est-à-dire qu'ils soient successifs comme ça, et puis ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, pour cela, l'imam Malik, le... Et l'école malikite. Voilà, le précurseur de cette école malikite a un autre avis par rapport à cette recommandation. Si les gens la prennent pour du sérieux, ils la prennent pour une obligation, dans ce cas-là, les illustres savants, les hommes nobles, ceux qui guident un petit peu la société, doivent un petit peu changer les avis des gens et leurs préjugés en s'abstinant. C'est-à-dire de jeûner ces journées-là. Ça deviendra pour eux une chose indésirable. Pour que les gens ne la prennent pas voilà, comme obligation. Pour que les gens ne la prennent pas pour obligation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui la prennent par, comme si c'est une obligation. Et puis il y a une certaine concurrence entre les gens. Et voilà. Puis il y a des gens qui jeûnent ces journées-là juste après le premier jour de Chawal. On va y revenir, Inch'Allah. D'abord, nous avons au bout du fil Madame Rachida de Lyon. Allô, oui. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, marhaba, sahaïdek. Sahaïdek. Yestalmek, akda kul am, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai 2 questions, et la troisième, c'est toute une petite question. Marhaba. Alors, la première question, on est 4 filles, et on a perdu notre maman en 2015, et depuis le décès de ma mère, les 3 autres, elles ne s'entendent pas entre elles. Il y a toujours des conflits. Mm-hmm. Et ça me travaille la tête. Déjà, même Saïd, maître Afrosh, je ne m'aime pas. Et c'est ça qui... Je me pose la question. Quelle est la cause derrière tout ça? Eh bien, c'est rien. C'est des petits conflits. Par rapport à l'héritage ou quoi? Non, non, pas du tout. Elle ne nous a pas laissé d'héritage, alhamdoulilah. Ouais. Mais juste, c'est des paroles. L'autre, elle dit ça, l'autre, elle dit ça. Dommage. Ouais, et la deuxième... Moi, je m'entends avec tout le monde. Alhamdoulilah. Et la deuxième question, c'est ça.
Alors, je m'entends avec tout le monde et je sais pas quoi faire. Je suis la plus jeune. L'autre, elle me dit ça. Je lui dis oui, tu as raison. L'autre, je lui dis tu as raison. L'autre, je lui dis tu as raison. C'est pour gérer la situation. C'est pour gérer en quelque sorte. Comme je sais que toutes les trois, elles ont tort et comme elles sont plus âgées que moi, je peux pas leur dire que vous avez tort, malgré que entre moi-même, ça me travaille la tête, surtout vis-à-vis le bon Dieu. Oui. Alors, est-ce que c'est de l'hypocrisie que je fais ? Parce que sincèrement, quand je raccroche le téléphone, ça me travaille la tête et des fois je pleure. Parce que, au fond de moi, je sais que toutes les ça trois sont tort. Vous estimez que c'est de l'hypocrisie. Non, pas tout à fait, mais... Oui. Et la troisième question, j'ai mon beau-père qui a perdu un peu la tête. C'est-à-dire il est Alzheimer, on ne sait pas. Des fois, il est Alzheimer, des fois, non. Mm-hmm. Il est un peu... il ne s'entend pas bien avec ma belle-mère. Il crie tout le temps, il les insulte et tout. Mm-hmm. Bon, la première des choses, c'est qu'il ne fait pas la prière parce que je ne sais pas si... parce qu'il a perdu la tête ou... Mmh. Il fait pas le ramadan, et j'ai dit à ma belle-mère de sortir pour lui. Quel âge a-t-il, s'il vous plaît ? Il a 84 ans ou 85 ans, mais ça se voit qu'il est perdu. Mmh, oui, il est complètement perdu. Mmh. Donc la question ? Parce que des fois, la question c'est que... pour le ramadan, on sait que l'Azm al-Fidya. Mm-hmm. Mais pour la prière, c'est trop tard. Elle a fait déjà la prière avant qu'il soit dans cet état. Est-ce qu'il faisait la prière avant ? Non, je pense pas. Très bien. Très bien, et madame. Ça me travaille la tête parce que c'est comme mon père. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. On va vous répondre, madame. Oui, C'est tout. Faites-les. J'allais vous dire juste où il y a des comme ça. Merci beaucoup. Donc, elle a des soucis par rapport à sa famille. Toutes les trois questions, c'est des soucis par rapport à sa famille. D'abord, le premier souci par rapport à ses soeurs. Là, c'est une preuve que, inchallah, notre soeur est une bonne personne. Très bien, qui se soucie de l'état des autres et de leur relation vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe, inchallah, qu'elle a une bonne foi. Voilà. Et puis, pour vos soeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin, mais parfois il faut donner quelques petits conseils comme ça, bab al-amr bil ma'ruf ou nahy 'an al-munkar, si vous trouvez que ça va peut-être aboutir. Lorsque si vous trouvez que le moment, il faut choisir les moments, les bonnes paroles, intelligemment, esquisser comme ça un petit conseil. Il faut faire l'effort Dans ce sens-là. Oui, il faut faire l'effort. C'est un cours que nous a donné notre sœur. C'est d'essayer toujours de faire en sorte à réconcilier ceux qui ont un conflit. Et puis quand on leur dit que vous avez raison, etc., peut-être si on a une bonne intention que ça va aboutir dans le bon sens pour créer une osmose, une réconciliation entre les sœurs, vous aurez, inshallah, une récompense vraiment considérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre de ce qu'appelle le prophète alayhi salam, Issalah, Zatil Bayn. Et puis, même quand vous leur dites que vous avez raison, etc., avec cette intention-là, dans ce but-là, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas aussi du mensonge.
ما كذب من دخل بين اثنين فقال خيرا أو نمى خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق elle veut elle garder les liens avec toutes ses soeurs. Voilà. Il faut garder ce lien. Très bien. Pour qu'elle puisse jouer un rôle. Voilà, c'est ça. C'est dans ce but là, inchallah. Rabbi ajrak. Et puis pour vous serez récompensé. Très bien. Par et puis pour ceux qui, c'est-à-dire, ils fessent d'eau, hein, qui bousillent leur relation rien que pour des futilités, pour des paroles mal placées, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ ». C'est-à-dire que si on ne soigne pas en quelque sorte sa manière de se comporter avec autrui, on n'essaye pas de trouver les mots exacts pour parler aux autres gens, peut-être que Satan va rentrer entre les personnes et va profiter de cette situation-là pour amplifier les petits problèmes, les petits soucis pour les rendre de gros problèmes et peut-être engendrer une rupture des liens de parenté. La troisième, c'est par rapport à son père qui a 85 ans. Voilà, son beau-père qui a 85 ans. S'il a perdu la raison, Apparemment, il n'est pas en pleine faculté. Voilà. S'il a perdu la raison, il n'est pas concerné par toutes les obligations religieuses, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, ou que ce soit aussi l'acquittement de la fidya. S'il ne peut pas jeûner, il n'a pas la raison, et il ne peut pas jeûner, il n'a pas la capacité physique aussi peu pour jeûner, il est dispensé et du jeûne et de s'en acquitter de parce que la raison est monsieur Migari l'aql mana tout kilif. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire celui qui n'a pas la raison, il n'est pas concerné par les obligations religieuses. Son père apparemment n'a jamais fait de la prière. Ah ben, là... c'est Allah subhanahu wa ta'ala de le juger. Ah oui, oui, oui. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala de le juger. Voilà. Il faut le soigner seulement. C'est-à-dire, c'est par rapport à votre obligation. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, tout est fini. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut l'aider par autre chose, surtout après sa mort. Ça, c'était pour Rachida Doulian. Maintenant, on a au bout du fil, c'est Abbas Doran. Oui. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, marhaba. شوف الشيخ على كل حال اسمح لي على كل حال السلام. كنت في رمضان أنا دائما العمالي في دار الأجازة مارش مارشون أيضا دخلت لي في جيبي وكليت شوية خبز ذاك المفتت هذاك فوزته بلا منفع نسيت ولا نسيت ما فقصة أنا دخلت لي دي هكا ودخلت لك أمي وكليت خلاص ايه أيضا كنت نطلب منكم تعمل شيء ندير مور هذا رمضان. Très bien, c'est Abbas. Marhaba avec Abbas. Docteur Joël est de Béjaïa à chaque fois. Marhaba. Alors, concernant son oubli, là, il est dans l'obligation de rembourser cette journée. هذا مكان. تعاود صومها. تعاود صوم هذا النهار. هذا مكان بإذن الله عز وجل. Bon, pour séjour de Shawwal, si vous permettez. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai, c'est-à-dire une autre vision par rapport à cela, c'est que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a voulu de ce texte-là, c'est-à-dire la finalité du texte, c'est de conserver un lien avec le rite du jeûne, c'est-à-dire voilà, de ne pas oublier le jeûne jusqu'au Ramadan prochain.
C'est-à-dire, parfois comme ça, d'essayer de jeûner quelques journées. Celui qui a ce lien avec ce rite du jeûne, c'est-à-dire il jeûne peut-être les 3 jours, 13e, 14e et 15e jour des mois lunaires, ou celui qui jeûne le jeudi et le lundi, celui peut-être qui jeûne au mois de Rajab ou là au mois de Muharram, celui qui jeûne les 9 jours du mois de Dhul-Hijja, etc., Arafat, Ashura, il va atteindre, inshallah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à partir de ce hadith-là, parce qu'il a dit « Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min shawwal kanaka man sama dahra kullah » C'est comme s'il a jeûné toute une année. C'est 30 jours. 30 jours avec 300 jours, 6 jours avec 60 jours, voilà. Hassana bi ashri amthaliha, il peut le faire même pas dans Shawwal, c'est-à-dire dans les autres mois. Et il y a une certaine exigence aussi de ce hadith qui dit que le prophète alayhi salam a parlé, c'est comme s'il a dit à partir du mois de Shawwal, wa atba'ahu bi sittin min Shawwal, c'est-à-dire bidayatan min Shawwal, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire que ça soit pendant le mois de Shawwal, c'est à partir du mois de Shawwal. C'est clair, docteur Touré. D'abord, nous avons au mois de Ramadan prochain. Nous avons Linda de Paris, madame Linda de Paris. Allô. السلام ورحمة الله. صحة عيدكم كل عام. صحة عيدك يا رب يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. عندي سؤال أساتذتي الكرام. وي. أنا حاليا أبحث عن العمل. أيوة. وجدت عمل. هذا العمل في مطعم مدرسي. très bien. voilà. Il continue. هاي continue. هنا ما بقيت حيرة طرفه بس ك. على بالك يمدوا في المنيو تاعهم كاين لو بور وي بور لي فرونسي بيان سور بور لي فرونسي بور لي نون مسلمون بور لي نون مسلمون دونك بور لي نون مسلمون اسكو نقدر ندير العمل هذا اسكو نقدر نقدم للاطفال نحط لهم على الطابله كما نقولوا على المائده تاعهم اسكو هذا العمل نقدر نديره ولا ما نقدرش هذه هي لا كيسيون مدام لينا الو وي هذه هي لا كيسيون اون سول كيسيون الو وي وي اون فوز ايكوت بيان الو وي وي Ça y est, les... Bon, on a bien entendu la question. On va vous répondre, madame Linda. On va vous répondre. En tout cas, la question, c'est la seule question. Shukran jazilan. Marhaba, marhaba. Vous savez, maître Migari, de ce que nous avons vécu avec notre communauté musulmane en Europe en général et puis en France, c'est que même ceux qui ne pratiquent pas profondément la religion. Il n'est pas très pratiquant, il ne fait pas la prière, etc. Il ne mange jamais du porc. Voilà. Mais quand même, quand il s'agit de manger halal, il mange halal. Voilà. Ça, il ne pratique pas la prière, d'accord, mais il ne mange pas le haram, il ne mange pas le porc, il ne mange pas... Alors, en général, à 99%, à 99,99%, la viande du porc est destinée pour les non-musulmans, parce que les enfants du musulman ne prennent pas. Ouais. Et d'ailleurs, on connaît des parents qui vont, c'est-à-dire qui signent, je ne sais pas... une petite charte comme ça par rapport au menu à donner à leurs enfants et lorsqu'il y a de la viande etc soit ils ne mangent pas cette journée là soit on sert pas de la viande etc peut-être le poisson etc ça c'est clair alors du moment que c'est destiné pour les non musulmans vous avez tout le droit de leur servir ça parce qu'ils ne sont pas concernés par les prescriptions de la charia islamique. Ils sont demandés d'abord à embrasser la foi et puis s'ils embrassent la foi, ils seront concernés par ça. Les prescriptions, les obligations, les interdictions, etc. Donc, là, elle n'a pas à se faire de soucis. Elle peut travailler et, inshallah, son salaire est tout halal, à fait inshallah. Halal. Mais du moment que je suis musulmane, je suis harma andam, donc tu peux t'habiller le poste de travail. On a terminé avec Shawwal. Oui, on a terminé. Juste pour dire que ça s'étale sur l'année.
les Quelle six année. Jours. Si vous atteignez six jours entre Ramadan et l'autre Ramadan, ça sera 350 ou 360 jours de récompense, parce que la journée est considérée par la récompense par le jeûne de 10 jours. Peu de monde de la recommander. Laissez les trois premiers jours à Ziyarat. Surtout. Ben pour, oui. Alors, deuxième jour, pour faire plaisir. Alors, une visite un jour, oui. Je trouve que, qu'ils sont en état de jeûne. Oui. Ziyarat, ils ont dit qu'ils sont en état de jeûne. Donc, laissez-les. Vous savez que, qu'il y a un hadith dans ce sens, Maître Migari. Ouais. Un hadith d'Abdullah ibn Abbas qui rapporte que le prophète alayhi a été invité chez un de ses compagnons, et puis il y avait parmi ceux qui étaient invités avec le prophète alayhi quelqu'un qui était en état de jeûne surrogatoire, hein. Ah, bien sûr, voilà. Surrogatoire. Et quand ils allaient manger, il s'est mis de côté, il a dit moi je suis en état de jeûne. Et le prophète alayhissalam lui a demandé de rompre son jeûne et de jeûner un autre jour, en lui disant ceux qui nous ont invités ont fourni des efforts pour nous accueillir, alors il faut leur permettre. Donc laissez les trois premiers jours à Chouel pour le ziyarat, pour le kadamat. Vous avez tout Chouel. Voilà. Pour jeûner, docteur Djouhri, nous avons un appel de. C'est Leïla de Paris, Aïda. Allô? Allô? Allô, oui. C'est Madame Leïla, c'est ça? Alaykoum salam. Salam, rahmatullah. Voilà, je voulais vous demander une mère qui était avec un homme de 63. 63. Elle était très belle. Elle n'était pas en train de se faire. Elle était en train de se faire. Elle était en train de se faire. Elle était en train de se faire. سمحي لي مدام انا با بيان كاش كي سي باسي او جوس واش صرا عشتي مع دو بي 63 طول حياتها نعم ما تكون معذبه طول حياتها مع بوي ولادها واش تقول فيها عشتي يعني حياه صعبه معاه صعيبه في لافامي تاعو ما كانش حب في البنات تاع ولادو ما كانش ما كانش حب عند المرأة تاعو وما كانش حب عند ولادو عنده حب في لافامي تاعو صح يحب فاميلتو اكثر من لابتيت فامي لابتيت فامي مازالكم زوجين لا لا داكور تفارقتو تفارقتو بالموت ولا بالطلاق ولا لا بالموت ترحمي عليها مدام ترحمي عليه دعيلو دوك بالرحمة قلت كي لافي ان بونشي سوتو لا ماشي لابتيت سابتيت فامين معليش حنا ندعو له بالرحمة دوك اللي فات فات وافضى الى ربي هكذا نقولوا بون كومونسون دابور بار دير سو كو لو بروفيت عليه الصلاة والسلام نوزا دي كون كونساي كونت اون بارل دو كيلكان كي ديفان سادير ذهب راح قالنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير واذكروا محاسن موتاكم صدير فول السوفنير كو دي بون سوفنير إن شاء الله لا دوزيام دي شوز وي c'est un conseil à donner à tous les hommes. C'est que le prophète alayhi salam nous dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Et quand il dit khayrukum li ahli, c'est-à-dire il sous-insinue envers sa femme et ses enfants, sa petite famille. Mais ce n'est pas aussi un choix. Ce n'est pas un choix, c'est-à-dire il faut être bon envers tout le monde. Il faut être bon envers ses parents, ses frères, sa grande famille, ses voisins, etc. En même temps, être bon envers sa femme, ses enfants, sa petite famille, etc. Équilibrer, il faut équilibrer. Et puis, quelqu'un aussi qui n'est pas bon envers ses parents, envers ses frères et sœurs, etc., et il n'est pas bon aussi. Il faut être bon vers tout le monde. S'il s'agissait peut-être d'un délaissement vraiment grave par rapport aux obligations conjugales, aux obligations familiales, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de le juger, et puis à vous aussi peut-être de l'alléger de cette grande responsabilité
en lui offrant, inshallah, votre pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger, tout le monde, il va nous interroger par rapport à nos obligations. Qu'est-ce que nous avons fait de ces obligations-là? Les obligations par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui d'en juger. Les obligations par rapport aux autres, c'est ces gens-là qui sont liés à cette responsabilité-là, à ces obligations-là, qui vont être les maîtres du jugement, au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner à quelqu'un si celui qui l'a lésé, ne lui a pas offert son pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne va pas juger quelqu'un pour quelque chose lié à une personne si cette personne-là a donné son pardon. حقوق الله مبنية على المساحة المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة c'est à vous inshallah de l'alléger si vous avez un bon cœur inshallah que vous lui souhaitez inshallah le paradis et puis vous aurez une récompense par rapport à cela aussi parce que ولكي بالمثل voilà celui qui donne son pardon aura le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jaza min jinsi al-amal c'est clair docteur Jouri merci nous avons notre question mais nous allons voir la deuxième question après ce spot restez avec nous Question à Dr. Jourin, question un peu spéciale, c'est-à-dire, d'abord, c'est moi, des Jazia, à la cité que c'est mon ancien élève, elle était mon élève un jour, Missy Hamia, je suis touché un peu par sa question, par son état. Je me permets de vous contacter pour vous poser la question sur le fait que je sois enceinte et atteinte de maladies graves, cancer. Je voulais savoir indépendamment du fait que je dois faire sortir Sadaqa, est-ce que je dois refaire les 30 jours du jeûne? Barakallahu feikum. Tqoul fl'akhir, mes meilleures salutations pour le docteur Aïssa Migari. Il restera le meilleur prof que j'ai eu ici. Bon, trouvez vos doigts, s'il vous plaît. Inch'Allah. Vraiment, je suis touché par la question. C'était mon élève. Inch'Allah, Rabbi Afik. Amin. Rabbi Shfik. Rabbi Al-Tafbik, Inch'Allah. Amin. Et nous devons vous aider في أوقات شريفة وفي أماكن شريفة ونوصل الناس باش يدعوا لك إن شاء الله. وتقوم إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز إن شاء الله. Là, par rapport à sa question. اللهم رب الناس هذه بالبأس وشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما bon par rapport à sa question elle n'a pas à s'en acquitter d'une fidia normalement celui qui lui a conseillé l'a induit en erreur du moment inshallah qu'on lui souhaite la guérison le rétablissement on a l'espoir inshallah vous allez vous allez être guéri de cette maladie, inshallah. Même que ce soit un cancer, maintenant, alhamdoulilah, il y a d'abord Qudrat Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis il y a la science, maintenant, aujourd'hui, qui a franchi un grand pas dans la guérison de beaucoup de types de cancers. Inshallah, on vous souhaite la guérison. Alors, vous allez attendre, inshallah, votre guérison. Et puis vous allez rembourser lorsque vous aurez toute la capacité physique pour jeûner, vous allez rembourser inshallah et vous n'allez pas vous en acquitter de n'importe quel fidia. Voilà. Inshallah. Voilà. Inshallah. Inshallah. Inshallah.
et courage. Voilà. Une autre question, ma soeur est partie en France chez ma cousine avec un visa touriste d'une durée d'un mois. Mais après l'expiration de son visa, elle y est restée en situation irrégulière. Tout court. Ouais. Aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire que ma cousine lui a trouvé un homme qui accepterait de se marier avec elle contre une somme d'argent juste afin qu'elle puisse obtenir un titre de séjour. C'est ce qu'on appelle un mariage arrangé sans vie commune. Elle a demandé mon avis et je lui ai dit que ce genre de combine ne fait pas partie de l'islam et que la fin ne justifie pas les moyens. Voilà, vous docteur, avez bien répondu. Docteur Djouhri, je vous prie de bien vouloir accepter de me dire quel est le point de vue de notre religion, l'islam, concernant ce genre de mariage et que diriez-vous à ma sœur? Bon, c'est la logique, elle est claire. Elle est si claire. Elle est si claire qu'on ne peut pas en quelque sorte la divier, hein. La combine, elle est bien claire aussi. Le halal oubayin, le haram oubayin. Et ce n'est pas une choubha, c'est une chose confuse comme ça. C'est pas un équivoque. Voilà, équivoque. Alors, tout cela est une procédure qui n'est pas acceptée par la religion parce que ni par les on textes, ne trahit ni pas, par les, ni par les textes, ni par l'esprit des textes. Parce que si vous êtes dans ce pays-là, vous devriez respecter les lois de ce pays, premièrement. Et puis, le mariage en islam, par rapport à la charia, le mariage en islam, c'est pour construire une famille qui va durer dans le temps. Voilà. Et bien sûr, par le fait de consommer ce mariage-là dans le but d'avoir des enfants, de bâtir une famille, etc. Ça, c'est connu par tout le monde, petits et grands, femmes et hommes, celui qui est instruit ou celui qui ne l'est pas. Hein. Alors, c'est une combine malsaine, c'est une trahison aux lois de ce pays-là. Et vous n'avez pas le droit, en quelque sorte, d'être ainsi avec ceux qui vous ont accueilli. Et puis à sa sœur, Addallu ala al-khayri kafa'ilih, celui qui guide vers le bien, c'est comme s'il l'a fait. Alors, de la même sorte aussi, celui qui guide vers le mal, c'est comme s'il l'a fait lui-même. Alors, n'essayez pas d'aider cette personne de cette manière-là. Essayez de l'aider par une manière légale, une procédure légale, avec un mariage légal, etc. Inch'Allah, vous serez récompensé par cela. Mais si vous le faites par cette procédure-là, vous aurez, Inch'Allah, le châtiment d'avoir guidé une personne vers le mal. Une petite précision. Oui. Ça doit rester alors que le visa a expiré, après l'expiration... Après l'expiration du visa, parce que ma'wa taqif le fiqh le visa, c'est quoi l'adaptation de la jurisprudence par rapport à le fiqh islami, religieusement parlant, le visa, c'est un pacte que je dois respecter les c'est lois du pays qui m'a donné ce visa. Voilà. D'accord. Oui. Donc le fait de rester après, ça va à l'encontre des enseignements de l'Ahd, religieusement parlant. Hein. Oui. Et maintenant, on a au bout du fil, Madame Fatima de Paris. Oui, allô? Allô? C'est Fatima, non? Fatima de Paris. Elle est partie. Allez, je t'aime, Inch'Allah. Rabbi Qaddan. Bon, on a terminé avec cette question, docteur. Oui. Pour la quatrième question, vous avez répondu à une question directe concernant les facilités de paiement. Oui. Vous avez expliqué que c'est autorisé de rembourser l'argent avec un surplus pour la personne qui nous a prêté. Non, ce n'est pas sa facilité. Ah, il faut faire la part des choses entre... il faut faire la part des choses entre un prêt avec intérêt et avec la vente en facilité. Voilà, ce n'est pas la même marge. Voilà. Donc, vous avez... Bon, nous avons,
Or, de nos jours, ce sont les banques qui prêtent cet argent et permettent ces facilités, même si sur Internet, que c'est que vous avez autorisé également. Vous avez. Bon, c'est pas ça. Il nous a pourtant toujours été dit que ces intérêts que nous rendons suite à cet emprunt est ce qu'on appelle riba en arabe. Oui, c'est riba de l'usure. C'est vrai, vous avez donc raison. Donc, quelle est la différence? Voilà. Demandez la différence. La différence, c'est que riba, ça se fait dans l'emprunt, c'est-à-dire silfa. Je vous donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Wa ahallallahu al-bay'a wa harram al-riba ». C'est-à-dire le bénéfice qu'on prend ou là qu'on donne dans la vente et l'achat, ça c'est permis. Ahallallahu al-bay'a. Et le bay'a, ça se fait soit en cash, soit en facilité. Même la marge sur la facilité de paiement, ce n'est pas riba. Ce n'est pas du riba. La marge sur la facilité de paiement. Abu Hanifa s'appelait ta'wid an ihtibas ras al-mal. C'est un dédommage par rapport à ce capital qui a été accaparé par vous quand vous avez acheté et vous le donnez partiellement à celui qui vous a vendu la marchandise. C'est par rapport à cela, il y a un petit dédommage. Et ça rentre dans la vente et l'achat. Alors que l'emprunt, c'est autre chose. Je vais vous emprunter, il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas quelque chose que vous avez vendu. Vous avez le taux toujours fixe. Et puis il y a un bénéfice de tel pourcent ou de tel pourcent ou de tel pourcent. Là, c'est autre chose. Alors peut-être la personne n'a pas bien saisi en quelque la sorte, différence entre les deux transactions. Nous avons expliqué. Très bien. Voilà. Salam alaykoum. J'aimerais savoir si la femme paye la zakat sur ses bijoux, bijoux sur l'or à 18 carats et non or pur. Non, c'est là, pas que ce soit un or pur, 18 carats, ou la 24, n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec cela, la qualité de l'or. Le détail déterminant, c'est ça, le détail déterminant quand ça devient une marchandise. Voilà. L'or, que l'or, ça devient une marchandise qu'on emmagasine pour rehausser, pour l'aqouba, pour qu'il aura une autre estimation dans quelques mois, dans quelques années. Là, il est soumis à la zakat. Là, il est soumis à la zakat. C'est une marchandise, comme l'or chez le bijoutier. C'est la même chose. Mais si vous le bijoutier, il n'est pas dispensé de la zakat par rapport à la marchandise. C'est comme celui qui vend des voitures ou là qui vend des morceaux de terrain ou là qui vend de l'alimentation générale. C'est la même chose. Mais lorsque la femme s'embellit seulement et a cette intention-là de s'embellir avec l'or qu'elle a acheté ou l'a hérité, etc., elle n'a que cette intention-là, son or est dispensé de la zakat. Il n'est pas concerné. C'est les acheter pour les porter, pour s'embellir. Voilà, c'est ça. Même que tu peux s'en marrer à chassiner. Mais avec l'intention, ils ne sont pas soumis à la zakat. Nous avons au bout du film M. Faisal de Lyon. Allô, c'est Faisal? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحيتكم مبارك. ربي يتقبل إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وإياك. حبيت أن بديك تسمعك أنا دوك كنت مسؤولي روحي في الجامعة تعرف لي واحد كيمو جيتو يستكلفو بيعيدو. إيوا. هاد العام هذا بدا كل عام هكذا يبعثوا لنا باش نخلص زعما. إن كوتيزاسيون. إن كوتيزاسيون سادير. مع لا بومب فينابر فوالا سي سي قالوا لي حرام نو علاه علاه قالوا لي توتي زاتيرون حرام نو 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 اون اكزاجير لا نو با فو ريبوند سي فيسال هذا هو السؤال هذا هو السؤال تري بيان دوك نفصلوا لك الاجابه سو كي وزون دي حرام نون با كومبري لا بروسيدور اي لو بوت دو سيت بروسيدور لا لا بروسيدور سي دو كوتيزي. Et le but, c'est de couvrir ceux qui ont peu cotisé pour leur assurer un rapatriement, ou la, c'est-à-dire un enterrement digne d'un humain. Voilà.
C'est-à-dire, parfois, quelqu'un meurt et puis on veut le rapatrier, on n'a pas assez d'argent pour la pompe funèbre, pour peut-être le laver, lui offrir un cercueil et de la rapatrier, c'est-à-dire le billet, etc. Ça coûte à peu près entre 4 000 et 6 000 euros pour chaque défunt. Mm-hmm. Et puis, il y a cette procédure-là, quand on cotise, c'est-à-dire même, peut-être que je commence à cotiser moi, hein, cette année, j'ai cotisé 1 000 euros à peu près, voilà. Oui. Mais je meurs juste après quelques mois. Ils vont m'assurer à moi, parce que j'ai cotisé, ils vont m'assurer la totalité de ce que j'aurais besoin pour cet enterrement, ce rapatriement vers mon pays, etc. Et ça rentre ce qu'on appelle, ce qu'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awani. Et d'ailleurs, dans quelques pays, les assurances, on ne l'appelle pas les assurances. On appelle l'uqud ta'awuniya ou dhaman tashariki ou dhaman ta'awuni. C'est-à-dire, on a une certaine idée, un préjugé, l'assurance vie, etc. C'est une chose qui est interdite en islam. Même ce genre d'assurance, il y a beaucoup de savants qui l'ont permis. Pour ne pas s'étaler beaucoup sur voilà, la chose. Très bien. Pour M. Faisal Kouloulou, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Oui, bien sûr. Inch'Allah, halal. Bien sûr, au contraire. Mais je m'en donc, c'est ma cache menha haram. Est-ce que cette procédure-là, si elle nous aide à organiser l'enterrement d'un musulman et de la rapatrier vers son pays, etc., est plus bénéfique que de le laisser peut-être pour l'État parce qu'on n'a pas d'argent et puis ils vont peut-être le brûler ou l'incinérer ou là. Subhanallah. Très bien sûr. Hein? Quelle est la meilleure des deux ouais, choses? Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Nous avons Boudjoufil Mohamed de Paris. Allô, Mohamed. Salam alaikum. Alaikum salam, marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. Rabbi, inshallah, saha aïkoum. Ya Rabbi, aïk, inshallah, Rabbi. Salam. Habit nesqsik, marhamad, dit mousafi, kiddash, wana n'aït, aït, l'hakim. Marhaba. Voilà, ana andi chouya, mishkil li khad, yikhdim fi rasi. Tsemma ki kunt sghira, bikri, ma rachat, ramadan, ta'abdin. ما على باليش تسمى ما على بالناش كنا عايشين هكا حد ما قال لي باللي ترجعي الدين تاع قداه من عام نصوم ولا نصوم رمضان بس حد الدين ما على باليش باللي رجعوا ما على بالناش حد ما قال لي نهار تفطر كي كبرتي تو صافي درت الحساب انا درت الحساب ابوبخي تسمى لميت نسخت نصوم رحت مدي باش مديتها قال ما لقيتش من نمد وكل شيء درت وليت مديتها الواحدة راح يدير باراسيونه قولي لي مدام سمحي لي ام محمد دوكا صحيا تقدري تصومي ما تقدريش تصومي دركا على بالك شي 70 عام سي ان بو ديفيسيل اني صايمه دركا بصح لو كي نصوم بزاف نجم نصوم باغ اكزومبل الخميس والاثنين هذوك نويهم قضاء هذاك نويهم قضاء هذوك نويهم قضاء اثنين ولا خميس نويهم قضاء وعندك السنه نجم نصوم ماهوش ديما باسكو جي ان غرو تريتمون جي ان غرو تريتمون يا دي فوا جو سوي فاتيغي جاريف با معليش باسكو جو بران دي لو فوتوراس كي نشربو ترو تو دا لا نوي راكي صايمه مدام راكي صايمه دركا راكي صايمه 8 شوال تسمى نصوم شوال لا القضاء اولى علاه تصومي شوال وانت مطلوبه بالقضاء ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه اسمحني استاذيره دي مومون ك جو بانسي يعني قديم بزاف قلت انا كي نخلص عليها لا لا يعني لا لا لا, لا, لا عندي قدام العام ديما معليش 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 ابداي بركه مدام ولو بالنيه ان شاء الله الى حتى وين ربما تولي ما تقدريش تصومي خلاص ربي سبحانه وتعالى يعفو عنك بصح دركا مادام راكي تصومي شوال وتصومي الاثنين والخميس وتصومي بالك من رجب ومن شعبان وكذا هذوك كاع اللي كنتي تصوميهم ولو ديفيسيلمون تنويهم ان شاء الله قضاء وتديري ان بتي كارني هكذا وين ديري الحساب تاعك ما
مثلا عندك 60 يوم ولا 65 ولا 68 ولا والله ما على بالي. هذه هي كل عام مثلا كل عام فيه 6 ايام نقولوا اذا كانت 10 سنين راهي 60 يوم، اذا كانت مثلا 12 سنه راهي كل شهر نديروا 6 ايام، كل شهر من البلوغ ديري له 6 ايام، هذا هو العاده يعني لا موين لا موين تاع كل نساء يعني لا موين سي سيجور ربي يتقبل اباوي تقدري في الشتاء في الشتاء تقدري تصوميهم في الشتاء باذن الله مرحبا. عليكم بالغنيمه البارده يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما الغنيمه البارده قال الصوم في الشتاء سان مارش با ومشي شرط نتابع انا تما صدقه سي با غراف فوالا ان شاء الله سي با غراف سي با غراف ما فوك الوغ فوك نطعم الوغ يفوك دابور فوك جو باي سي تادير فديه ان بليس لا 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 معليش معليش ما تديريش فديه وان كان يعني فيه رمضانات جازو بصح هذه على سبيل الاستحباب وانما الصيام يعني القضاء هو المطلوب تقضيهم اذا درت الفديه سي طيب تخاطر ايه. هذا باك باش هذا ما كان ايه. مي با اوبليجي دوكا اسمح لي شيخ دوكا نجم نصوم لي سي جور ونجم نزيد ان بلوس سي جور باسكو اليوم ما تقدريش اليوم كملي الصيام تاعك لانه ما تقدريش ديري النيه في وسط النهار بصح العشيه في الليل غدوه ان شاء الله الا صبحتي صايمه في الليل ديري تاع القضاء ديري كامل الصيام تاعك قضاء وربي يعطيك العافيه ما شاء الله ويعطيك الاجر تاع 6 ايام من شوال كذلك يعني عندك الاجر ان شاء الله زيد اوتر شاز حبيت نسقسيك مرحبا بك سي تادير ما جو سي با ترو ترو لي جو سي با لي غلاغاب تما نقرا القران تاعي نهز النسخه كل ليله نقرا بتراديكسيون فرونسي وي سي با غراف لا غلاغاب Bon, pour avoir la récompense de lire le Coran, je ne sais pas, non. Ce n'est pas récompensé tel qu'il sera récompensé pour celui qui lira en arabe. Mais vous pouvez l'écouter, Inch'Allah. Vous pouvez l'écouter et puis lire la traduction pour mieux comprendre. Et écouter le Coran, du moment qu'il est permis, il est permis de, alhamdoulilah... C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde d'écouter les psalmes maudits du Coran. On a l'accès à tout le monde d'écouter le Coran. Marhaba avec madame. Marhaba au Mohamed. Une petite parenthèse. Vous voyez, monsieur Megari, ce que... Oui, c'est vrai. Marhaba. Allah yberk fi. Amin, ya Rabbi al-Alamin. Vous voyez, quand on a discuté avec elle, elle a dit, est-ce que c'est pas grave de ne pas jeûner? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens... Effectivement, croient à l'obligation de se voilà. Et dans ce cas... Dans ce cas-là, ça sera indésirable. Selon l'école malikide, dans ce, puisque les gens croient... الان امامك يقول لك مكروه مكروه ما دام الناس اعتقدوا بلي لازم يصوموا الناس يقولوا مكروهين هكذا تولي اضافه في الدين هذا هو سيدنا واجب ما كاش منه هو هذا هو تخي بيان اي جي با كومبيان ريست دو تو مدام وعديه ما يشعرف كومبيان ريست دو تو تخي بيان واي السلام عليكم جيمري سافوار سي لا بون سي بيجو فو مدير سي لي بيرميت فير لا بريير افيك دو فيرني Malheureusement, non, le problème, les ablutions, c'est pas le. Il a si coûté voilà. Malheureusement, il m'est impossible de ne pas en avoir, mais je fais la prière avec. Si vous avez fait vos ablutions avant de mettre le vernis, voilà, d'appliquer le vernis sur vos ongles, bien sûr que vous pouvez prier. Mais une fois que vous aurez perdu vos ablutions, il faut un dissolvant pour enlever le vernis et renouveler vos ablutions. On peut les remettre après. On peut remettre après, mais ça sera à vous d'endurer ça. Parce que c'est isolant. À chaque fois que vous auriez perdu vos ablutions, il faut enlever le vernis
pour refaire vos ablutions. Et puis après les ablutions, vous pouvez le remettre et faire la prière avec Malish. Même faire après avec venir la prière. Avec Digon, Malish, avec. Non, avec le vernis, Malish. Mais il peut se faire le vernis, n'annule pas. Mais le problème, c'est avec les ablutions. Nous avons 3 minutes, docteur Djouhri. Nous allons choisir une question qui soit un peu courte. Salam alaikum, mon mari et moi avons mis de l'argent de côté pour faire Hajj, inshallah. Sauf que mon mari aujourd'hui me dit qu'il préfère faire une Umrah plutôt que le Hajj. Parce qu'il a peur pour des raisons de santé que ce soit trop éprouvant pour lui. Il n'y a pas le Hajj. Que dois-je faire si je n'arrive pas à le convaincre à partir? Car l'année prochaine, ma fille souhaite partir avec son mari et donc souhaite m'emmener avec elle. Oui. Si mon mari ne souhaite pas y aller, bien sûr. Qu'elle peut aller avec sa fille et son madame mari. Madame ou Hajjat l'Islam. Voilà, Hajjat l'Islam. Et puis, elle n'a pas demandé pour Hajjat l'Islam. Il y a des avis par rapport à cela. Le ma'amoul bihi, le mar'atou, t'akfir, rufqa, le ma'amouna, fi Hajjat l'Islam. Le Hajjat tani, non. Ou le Umrah, non. Non, du moment, smahli, cheikh, rufqa al-amina, on ne parle pas de ça maintenant. Du moment qu'elle a un mahram, le mari de sa fille est un mahram. Ah, très bien. Et ça, oui. Voilà. Alors qu'elle peut y aller, inshallah, au pèlerinage. Il n'y a aucun problème. Ça, le mari de sa fille, son gendre, est un mahram. C'est comme si c'était son fils. Seulement, mahram mu'abbad, hein. Ce n'est pas un mahram momentané ou là. Non. C'est seulement, lazim. Inch'Allah. Moi, je parle d'une chose, 30 secondes. Hein. C'est-à-dire, le fait peut-être que son mari ne lui permet pas d'y aller, etc. Non. Ce qui concerne le hajj, le pèlerinage de l'islam, c'est-à-dire rukn ta' l'islam, la femme n'a pas à demander de permission auprès de son mari. S'il abuse par cela, Elle n'a qu'à aller chez le procureur pour régler cette... Alors, les maris vont se mettre en colère. Elle a les moyens. ما عندوش حق انه يمنعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ça c'est pour la mosquée alors là s'il s'agira du pèlerinage de remplir un pilier de l'islam puisqu'il y a les moyens voilà oui donc alors il y a pas de souci pour notre sœur du moment qu'elle a son gendre يعني le mari de sa fille qui va faire le pèlerinage avec elle et c'est un mahram. Très bien, Dr. Djouhri. Merci pour votre éclairage précieux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, dans le fil ayat Allah wa hifdhih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A été présenté par Arabesque.